Bonjour, je m'appelle Maxime de Thomas, je suis le dirigeant des ateliers Nectou, comptoir en étain, donc fabrication de comptoir en étain qu'on appelle vulgairement des zincs. On nous a suggéré de candidater valoriser le fait que notre métier d'art était un métier très 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 peu connu. Et c'est vrai que nous ne sommes plus que deux en France à fabriquer des comptoirs en étain comme ça. On a candidaté avec deux accents qui ont été mis d'abord sur l'apprentissage, parce que à l'atelier avec moi, j'ai 6 personnes qui travaillent et on a une moyenne d'âge de 28 ans. On a 2 apprentis qui sont arrivés en CDI à l'atelier et qui ont 21 ans et 19 ans et demi. La deuxième chose, c'est que c'est un métier qui est très écologique, parce que pour 24 tonnes d'étain commandé sous forme de lingots par an, on ne fait à peine que 120 kg de déchets. Voilà. Donc c'est un métier où on récupère tous les copeaux, tous les rebuts qu'on refond et pour recréer des plaques, des bordures qui nous servent à fabriquer ces comptoirs qui sont exclusivement sur mesure. Notre objectif, c'est de remercier nos clients, parce que chaque pièce est unique, chaque pièce est sur mesure. Et si on est là, c'est grâce à nos clients qui nous font confiance. Donc on a voulu représenter un meuble et un comptoir qui est, typique des années Art déco, ce qui est la mode actuellement. Et il y a beaucoup de cafés, hôtels, restaurants qui se refontent actuellement avec plutôt des décors de style Art déco. Et donc nous, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos clients qui nous font vivre tous les jours.